Passengers for flight JA251 to Tokyo, please go to gate 38. J'essayais de dormir un peu. À votre avis? Je sais pas moi, 8000 hein? 10 000 mètres! Oh, vous vous rendez compte? La distance entre Paris et Franconville, mais à la verticale. Vous habitez Franconville, hein? La deuxième classe, ce n'est pas si différent que ça de la classe à faire, hein? Les sièges sont juste un peu moins larges et le champagne en supplément, c'est tout. Bah pourquoi vous voyagez en première classe, vous? Pourquoi? Bah vous n'avez même pas pris de champagne. C'est vrai, c'est idiot. Bah oui. Disons qu'habituellement en première classe, comme vous dites, on est un peu plus tranquille. Hein. Bah dites donc, ça fait 2 heures qu'on est parti maintenant. On ne devrait pas tarder de survoler la Sibérie. 10 kilomètres à la verticale. Et dites donc, vous avez bien écouté les consignes de sécurité tout à l'heure? Moi, je suis pas sûre d'avoir bien tout compris. Vous savez, en cas de chute en piqué sur la Sibérie, je ne sais pas si c'est en se mettant une bouée autour de la taille qu'on s'en sortirait vivant. Vous êtes sûre que vous voulez pas boire un peu de champagne? Allez savoir. C'est peut-être la dernière fois qu'on en boit. Non, merci. Oh, ça va, ça va, ça va, ça va, je vois. Eh ben, il y avait un épisode qui se passait dans un avion. Mais après le Titanic, la quatrième dimension, mais vous avez vraiment décidé de me faire flipper, vous, quoi? Bon, désolé, je ne vous raconterai pas ce qui se passait dans cet épisode, c'est promis. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que c'était très flippant, en effet. Et moi, j'étais chez ma mère à Clermont-Ferrand. J'y vais 2 fois par mois. Et moi non plus, je ne me suis pas inquiétée, vous pensez bien. Et le lundi, ben, quand on l'a retrouvé, eh ben, il était dur, comme de la pierre. Non. Ah ben si. Et vous savez, c'est bien la première fois que j'ai trouvé quelque chose de dur chez lui. Il avait toujours son portable à la main. J'ai même envisagé de conserver comme ça, le temps qu'on puisse le ranimer un jour. Vous y êtes allé avec une amie à vous, hein? Non, pas du tout. Mais lorsque Leonardo DiCaprio embrasse Kate Winslet, je me suis rendu compte que je m'identifiais plutôt à DiCaprio. Eh ben, à cause de la ressemblance physique, j'imagine, hein? Enfin, je veux dire, on peut difficilement vous confondre avec Leonardo DiCaprio, hein? Ni avec Kate Winslet, d'ailleurs, hein? Ils vous ont dit que vous aviez droit d'aller visiter le cockpit. Hein? Donc, je vous donne le numéro appelé de ma part à Tokyo. Vous faites comme si vous vouliez faire un petit coucou à votre maman depuis la cabine de pilotage, et puis... Ma mère habite Clermont-Ferrand. Oh non, je sais. On va faire dans le mélodrame. Ouh là 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 là, bah vous me faites peur là. Votre attention, s'il vous plaît. Le pilote et le copilote ont eu un petit malaise. Vous croyez qu'on est les seules survivantes? Malheureusement, je ne crois pas. Mais c'est qui ces gens là-bas dans le noir, hein?